Bonjour à tous, nous sommes vendredi 19 février 2021. Alors, après plaisir ce matin, je me trouve cet après-midi à Action de Thiers Village. Alors, si vous vouliez cette table-là, vous êtes sûr de la trouver à Action de Thiers. Alors, quand vous venez à Action de Thiers, essayez de regarder entre les caisses. Souvent, ils ont pas mal de choses dans cette partie-là. Je vous dis ça parce que des fois on ne fait pas attention, on va directement au fond du magasin, mais regardez entre les caisses, il y a souvent des articles. On a aussi ce miroir, donc j'ai vu qu'il en restait deux ou trois, donc c'est les fameux miroirs qui sont à 29,95€. La table pliante est à 19,95€. Non, pas de panique, il y en a de ce côté-là, donc il y en a pas mal. Alors je sais que vous êtes beaucoup à rechercher ce miroir, il fait 1m16 de hauteur, donc couleur argent. On a aussi les fameux miroirs qui font 55 cm de diamètre. Alors ceux-là aussi, je ne les trouve pas partout, donc ils sont en noir et en doré. Donc pendant quelques semaines, ils n'étaient plus en rayon, et là, ils en ont remis. Ils sont à 6,49€ normalement, 6,95€. Ben, il ne reste plus que du noir. Alors ceux-là, je les ai vus mis dans une entrée en doré. Ils sont vraiment très jolis. Alors comme vous avez peut-être pu le voir un petit peu quand je vous ai montré un petit morceau de mon entrée, moi j'ai fait noir et blanc et j'ai mis, vous savez, les miroirs, j'ai acheté les miroirs vendus par 3 en noir. Et donc en fait j'ai joué un petit peu avec les tailles et donc c'est pour ça que je cherchais le plus grand. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas mis dans mon entrée. Dans mon entrée, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, j'ai mis une sorte de verrière, j'ai mis deux miroir de porte l'un à côté de l'autre et j'ai fait une petite verrière. Du coup un petit coucou à Samia, merci beaucoup, merci Samia. Les coussins donc qui sont à 4,99€, on a trois couleurs, on a sept couleurs et j'ai vu qu'il y avait une autre couleur qui est celle-là. Les nouvelles lanternes 4,99€ avec les fils métalliques. Alors celle-ci, il n'y a pas de photophore en verre, donc il suffit d'en choisir un qui corresponde un petit peu à la taille. 4,99€. On trouve aussi des coussins de chaises en velours, comme ça, 3,99€. Il y a aussi cette couleur. J'ai vu passer une publication sur le groupe d'une personne qui cherchait ses étagères. Eh bien, il y en a à Action de Thiers. Alors, il doit y en avoir dans les autres, mais là, comme je suis à Thiers, il y en a. Donc, elles existent avec la partie métallique noire. Et elles existent aussi avec la partie métallique blanche. Et pareil, j'ai vu des très, très jolies créations avec ça. Petite nouveauté aussi avec ce petit plateau avec ses petits pieds. Donc, en bois de mangue. Il est à 2,85€. En bois de mangue, on a aussi cela. Donc vraiment en bois de mangue, en bois de manguier, pardon, donc en bois de manguier, on a plusieurs plateaux. On a aussi un autre plateau sur pied, plus grand. Donc on a vraiment les trois tailles, plusieurs tailles. Alors ce qui est très à la mode aussi en ce moment, c'est ces plantes artificielles en pot. Donc elles sont à 4,99€. Alors ce qui est magique dans les plantes en pot comme ça, artificielles chez Action, c'est que regardez ce qui pousse. Voilà, on peut y cueillir des soins pour les pieds à l'avocat. Voilà, sympa hein. Alors, depuis tard, je suis en train de regarder ces plantes-là. Donc c'est des azalées en pot. Et je me dis, mais comme j'ai pas du tout la main verte, je me dis ça être pourquoi pas pour moi une solution parce que à chaque fois j'aime bien moi mettre des plantes sur mes fenêtres, dans des jardinières, dans des pots et tout ça, mais c'est vrai que voilà, ça reste pas d'une année à l'autre et du coup ouais, ça peut être une solution. Alors oui, je sais que c'est pas aussi joli que des vraies plantes, mais celles-ci elles sont jolies, puis à réfléchir. Donc elles sont en rouge, en rose et en blanc. Je vous dis ça, mais je sais très bien que je vais finir par acheter des vraies plantes, même si malheureusement avec moi ça ne dure pas. Mais d'ailleurs là actuellement j'avais planté, ça y est, je ne sais plus le nom de la plante, vous savez c'est une bulbe,
Je crois que toutes les fleurs, c'est des bulbes. Et du coup, c'est plusieurs couleurs, mais j'ai laissé ça dehors et je ne sais pas avec le gel et tout et la neige ce que ça va faire. De toute façon, si ça vous fleurit, je vous mettrai une petite photo. Un petit tour dans les décorations de jardin avec ces nains, lutins. D'ailleurs, une fois, on m'avait donné la différence entre les nains de jardin et les lutins. Alors, je ne sais plus comment les différencier. Bon, on va dire que c'est des nains de jardin lutins. On a celui-là avec le seau, l'arroseur, pardon, la hache, les deux seaux. On a celui-là, on peut dire que c'est le nain fainéant par rapport aux deux autres, parce qu'il est en train de boire son petit café. Et les autres sont en train de travailler ou de revenir du travail. Donc, pour l'instant, il y a ces quatre-là. Alors, moi, quand je vois un nain de jardin, je pense à Amélie Poulain. Je remontre juste aux nouvelles abonnées ou nouvelles actions addictes avec quoi on fait les miroirs verrières. En fait, c'est ces miroirs-là qui, à la base, sont des miroirs pour mettre sur les portes. Donc, d'ailleurs, dedans, vous avez deux attaches comme ça pour les mettre sur la porte. Mais en fait, en y mettant plusieurs miroirs côte à côte, hein, moi, je sais qu'il y a une pièce, j'en ai deux et l'autre, j'en ai cinq. Vous les mettez les uns à côté des autres. Après, pour les mettre au mur, moi, j'ai utilisé les attaches commandes. En fait, c'est des attaches, c'est un système à scratch. Après, vous voyez comment vous pouvez mettre ça au mur. Ça dépend aussi de votre mur. Et c'est 6,49€ pièce. Ça fait 94 cm de hauteur sur 34. On a du noir, on a du gris argenté, on a du blanc et on a couleur sable. Après, des verrières, j'en ai vu toutes les couleurs. Mais les deux couleurs que j'ai le plus vues, c'est noir et blanc. Les tapis de cuisine. Donc on a trois modèles, hein. Ceux-là, on a celui où il est écrit Kitchen. Et on a celui-là avec ces dessins-là, donc qui existe en gris et en bleu. Celui-là, je ne l'avais jamais vu en gris, comme ça je connaissais le bleu. Et on a celui où il est écrit Kitchen, qui est comme ça. Ils sont à 5,95€, ils font 1,20m sur 50 cm. Côté loisirs créatifs, on a une nouveauté, on a ce set de calligraphie, 5 stylos avec pinceau et encre. À 2,49€. On a aussi de la peinture, enfin de la colle peinture, colorée, perle ou pailletée. 1,39€ les 6. Colle nacrée et pailletée. Voilà, c'est plus simple et c'est plus clair. 1,39€ le lot de 6. On a des sauna facial, j'ai perdu le mot, 7,95€. Alors par contre, ici, si vous les cherchez, ils sont au rayon parapharmacie, on va dire ça comme ça, là où il y a tous les pansements, etc. Donc on a deux embouts, on va dire ça comme ça, un pour le visage et un autre pour le nez. Donc pour le visage, ça va permettre d'ouvrir les pores, de pouvoir nettoyer le visage, et pour le nez avec un petit peu de gouttes essentielles. Alors attention aux huiles essentielles, renseignez-vous avant de les utiliser, donc ça va être bien pour dégager le nez, les sinus, etc. Alors, une nouveauté ou pas, c'est cette Vanity. Alors je dis ça parce qu'on en a eu pas mal, on en a eu l'année dernière, on en a eu il y a quelques mois, mais par contre cette couleur, j'avais jamais vu. Alors elles sont à 9,95€, moi j'en avais vu en blanc. Et la deuxième couleur que je vais vous montrer. Alors par contre, avec les couleurs, ça dépend. Hein. Elle peut être rose, elle peut être saumon, elle peut être orangée. Et donc la deuxième couleur, c'est celle-ci. Donc pareil, hein, elle est... Voilà, il y a plusieurs... On peut... Voilà, il y a du vert, du jaune. Donc 9,95€. Donc il y en a une autre là, mais vous voyez, c'était pour vous montrer les couleurs. Donc par rapport à la lumière et la position, on peut voir du rose, du rouge, de l'orange. Alors à l'intérieur, il y a un miroir et il y a un compartiment qui apparemment se lève. On retrouve cette nouveauté, hein, le set de brosses de maquillage. Il y a 5 pinceaux de maquillage avec la trousse. C'est 3,95€. Alors j'ai pas de retour parce que justement en commentaire, on me demandait et on voulait des avis, mais je ne les ai pas encore utilisés. J'ai pas eu de retour puisque c'est nouveau. 3,95€ le lot. Ça, c'est pas une nouveauté, hein. C'est un gommage pour le corps au café à 2,95€. Il y a environ 15 à 18 traitements, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser 15 à 18 fois. Il y a 15 à 18 doses, c'est plus clair comme ça.
Allez, je vous reparle pour une énième fois de ce soin, mais pareil hein, pour les nouveaux qui arrivent et qui ne connaissent pas Action. C'est un soin pour les pieds. Alors attention, c'est un soin qui va exfolier, gommer les pieds. Mais ce n'est pas un soin immédiat. C'est-à-dire que vous allez mettre des chaussettes avec un produit dedans. Alors d'ailleurs, attention à ne pas utiliser si vous êtes diabétique ou enceinte. Il doit y avoir d'autres précautions, donc il faut bien lire la notice avant. Donc il y a une paire de chaussettes avec un produit dedans. On laisse poser. Et quand on va enlever les chaussettes, on ne va rien voir, il n'y a rien de particulier. Mais au bout de 5 jours, alors je dirais entre 5 et 7 jours, vous allez commencer à perdre la peau. Enfin la peau qui n'est pas bonne, hein, bien évidemment. Donc vous allez commencer à avoir votre gommage qui se met en place. Mais attention parce que ça dure entre 2 à 3 semaines. Donc ça veut dire que pendant 2 semaines minimum, vous allez perdre de la peau. Donc faites attention, ne le faites pas avant de partir en vacances, etc. Et puis après, en général, on a les pieds tout doux. Ça coûte 1,99€. Et après, ou même avant, si on n'a pas les pieds trop rugueux, on peut faire ce genre de masque. Vous savez, le fameux masque qui pousse dans les plantes artificielles. Donc on a lavande et tout à l'heure, on a vu avocat. Et ça, c'est 99 centimes, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça paraît, c'est une paire de chaussettes et dedans, il y a une sorte de crème. Alors il ne faut pas confondre les deux. J'ai souvent vu des personnes confondre les deux, c'est-à-dire soit mettre celui-là et dire « Ah ben non, il n'y a aucun effet », soit mettre celui-là et dire « Ah oui, non, mais j'ai mis la crème, mais je n'ai pas eu de gommage ». Donc faites attention, c'est deux produits complètement différents. Tiens, du coup, j'ai rencontré une abonnée avec son bébé. Je ne t'ai même pas demandé ton prénom. Je suis désolée, on a parlé de bac pour la salle de bain. Mais du coup, bébé, je me suis dit « Tiens, un petit tour dans les jouets pour bébé ». Ma première télécommande, 4,99€. Alors, il y a deux modèles. Il y a celle-ci, donc 12 mois, et celle-ci, 2 ans. Voilà, alors attention. Donc, 2 ans, et c'est celle-ci pour les tout-petits. Tiens, petite nouveauté, la couronne princesse avec la baguette à 99 centimes. Alors, c'est le modèle qui est nouveau, parce que parfois, ils en ont d'autres couleurs. Ou des fois, ils ont aussi celle de la Reine des Neiges. Donc, couronne et baguette pour 99 centimes. Fais un petit tour dans les Barbie, même si c'est pas une nouveauté, mais donc des fois ils remettent des modèles quand même. C'est les Barbie Fashionista, donc c'est 9,95€. Donc il y a celle-ci. Ah, il y en a d'autres aussi derrière, il y en a pas mal. Ouh là là, et je fais tout tomber. 9,95€. Tu as une petite nouveauté dans les loisirs créatifs, c'est de la pâte à modeler pailletée. 99 centimes, donc néon, pailleté et pastel. Donc il doit y avoir plusieurs. Ben voilà, il y a la pailletée, donc il y a la pastel, elle est trop jolie la pastel. En plus, vous savez, c'était hier, ma fille m'a dit je vais venir avec toi Action, je sens qu'il y a des nouveautés. Elle m'a fait rire, donc. Je pense que je vais lui prendre un pot parce qu'elle adore ça, la pâte à modeler. Et moi j'aime bien cette marque là, alors des fois je prends de la Play-Doh, mais celle-ci est pas mal. Alors je prends d'habitude les grandes barres là, mais je pense que je vais lui faire plaisir et lui prendre peut-être la pastel et la pailletée. Et après on a la classique qui est comme ça, donc normalement aussi apparemment il y a la néon, mais je sais pas c'est laquelle. Non, j'ai quand même bien cherché et j'ai trouvé la néon. Donc la néon, je pense que c'est style un peu fluo. Allez, on finit pas par des chocolats ou des bonbons, mais par des rubans cadeaux. Il y a un étui XL, il y en a 14 pour 1,79€. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, mais c'est pas fini, parce que je vois que ça c'est devant moi, donc je vous le présente. C'est du papier cadeau scintillant avec ruban adhésif. C'est 1,79€, et en fait dedans il y a les petits scotch. Donc il y a ces couleurs-là, et puis il y a doré, blanc, et alors hop, on va regarder, c'est plus simple. On a ceux-là. Voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt.